Et salut à tous les amis, je suis Gulter Barbefet et on se retrouve donc pour la suite de WoRPG. J'ai corrigé plein de petits soucis qu'on avait eu dans le dernier épisode, notamment les affichages de barres dégueulasses sur les ennemis là, on voyait quand ils étaient morts, ou moi aussi, on voyait mon déficit, enfin c'était chiant. Le fait qu'on avait une barre aussi en dessous de mon personnage, tout ça, ça a été corrigé, hein. Voilà, j'ai réglé les problèmes, j'ai pris les problèmes, j'ai... Trois meufs dans ta gueule et dégage. Bon, du coup, ça c'est fait. Eh bien, on va avancer tranquillou. Alors, aussi, hein, j'ai élucidé le problème, le mystère des montures qui ressortent quasiment tout le temps les mêmes. Sauf que là, évidemment, ça n'a pas sorti la même, juste pour m'emmerder. En fait, c'est dû au fait que nous avons des montures qui sont débloquées à partir d'un certain level. C'est-à-dire niveau 40 requis, niveau 50 requis, niveau 20 requis, des conneries comme ça. Et du coup, je n'ai pas accès techniquement à toutes les montures. C'est pour ça que normalement, on ne verra pas des montures volantes, malgré que je les ai débloquées. Enfin, on en verra peut-être, mais d'après ce que j'ai compris, ce ne sera pas le cas. Alors, à moins que le jeu a décidé de me faire mentir. Voilà. Donc, let's go. Let's go, let's go. Alors, dernier épisode, on avait parlé à la magnifique, hein, sublime Dame Jaina Port-Vaillant. Hein, quelqu'un que j'apprécie énormément dans le jeu. Hein, je trouve que c'est un personnage juste beaucoup trop stylé. Et donc, on va continuer nos missions. Donc, on a terminé avec l'île de Terramort. Il faut qu'on aille voir Nat Pagel. Il faut inspecter les ruines. Donc, parler à l'inspecteur Tarem à l'auberge. Il faut aussi qu'on aille voir Tabessa. Il faut qu'on aille aussi voir Drazit Suintvalve. Mais évidemment, on va parler à Nat Pagel. Avec voilà un autre personnage que j'adore aussi. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il fout par ici. Bon allez, hop. Bon, en tout cas j'espère que vous allez très bien. Moi c'est la grande forme. Toujours dans notre big série. Putain mais regardez-moi ces couleurs. Sérieusement, vous trouvez pas que les couleurs rendent mieux avec ce que j'ai touché là sur le jeu? Je trouve qu'ils sont tellement plus vives, beaucoup plus agréables. Enfin bref. J'arrête de me pignoler sur les... Mais en même temps, j'ai passé tellement de temps à régler ce bordel que du coup, j'étais en mode « Ah, j'espère que ça rentre bien » et quand ça rentre bien, je suis très content. Alors, est-ce qu'on va voir la fameuse monture? Ah, je sais que je vais faire rager des gens, je pense. Non, pas celle-là. Là, vous êtes en train de dire « Mais Goltor, qu'est-ce que tu cherches ?» Vous allez vite voir. Non, j'ai dit pas celle-là. Mais... Mais, bon... Attendez. Je vais la chercher moi-même, hein, parce que le jeu ne peut pas la sortir. Regardez-moi ça, l'hippocampe assujetti. Eh oui, j'ai droppé Poséidus. Je suis trop content, en Vachir, je l'ai buté. Donc j'ai récupéré sa monture. Ça fait vraiment plaisir, hein. Regardez-moi ça, s'il n'est pas sublime. D'ailleurs, je vais prendre un screenshot, vous savez quoi? Hop, hop, et je vais foutre sur Twitter. Paf. Voilà. Ah, il faut que je remette Wikora. Ah, je suis trop content. Je suis vraiment trop content d'avoir récupéré cette monture. Ça faisait très longtemps que je la chassais. Et je me balade de temps en temps. En fait, un peu comme je le ferai pour... comment ça s'appelle? Pour voir... comme je le fais pour voir dans les tréfonds. S'il n'y a pas, justement, l'autre qui se balade. Bon, j'ai jamais trouvé pour l'instant. Hein, mais Poséidus, je l'ai trouvé. Donc, je suis super content. Vraiment super content. Donc, ça fait plaisir. En plus, je l'ai mis en favori. Bon, là, il la sortait pas. Je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est pas grave. Bonjour, Nat Pagel. Alors là, Nat Pagel, attention. Hein. Là, c'est un peu comme Emmett Nzingari. On parle de quelqu'un qui est plutôt stylé. Bonjour. Salutations. Salutations. Alors, comme ça, vous voulez en apprendre plus sur les monstres marins? Eh bien, je vais vous proposer un marché. Mais je vous préviens, hein, il sera question de grandes quantités d'alcool et de quelque chose de pas très gratifiant pour vous. Tout ce que tu veux, Nat. Alors comme ça, vous avez trouvé un exemplaire des créatures ignobles des profondeurs? Eh bien, d'expérience, je peux vous dire que tout est authentique. J'en ai vu quelques-unes de mes propres yeux. Mais c'est Tethyr qui vous intéresse. Je vous ai promis un marché. Alors voilà ce que je vous demande. Je travaille sur une nouvelle série d'appâts, mais je n'ai pas encore testé celui-ci. Prenez cette patte, oui, elle empeste un peu. Enduisez-vous-en et nagez dans les eaux profondes de la crique du Mascaré au sud-ouest. Revenez me décrire le résultat. Donc il faut que je... D'accord. J'allais dire, il faut que je m'enduise d'une patte, tu me prends pour un con, mais il me donne des bières, donc vendu. Le mec qui me paie en bière. Non mais franchement, pourquoi vous pensez que c'est mon meilleur pote, Nat Pagel? Le mec, il te donne pas des pièces d'or, il te donne pas du stuff, il te donne des putains de bières. Donc forcément, c'est le meilleur pote de la vie, quoi. C'est le meilleur pote. On va s'enduire de cette... Alors c'est quoi ça? Entièrement de pâte. Bon, on va s'enduire.
D'accord, ça nous fait rien de spécifique. On a un debuff, donc. Pâte de poisson de notre pas gueule. Dire que vous sentez mauvais serait un doux euphémisme. Ouh. Un requin de maraude. Je ne suis pas à manger, monsieur le requin. Faites demi-tour, s'il vous plaît. J'ai dit faites demi-tour. Bon, il est mort. Vous voyez, il n'y a plus la barre. Ça, c'est fait, ça. J'ai un peu bataillé. Bon, ça va, ça m'a pris que 5 minutes. au moment où j'allais dire, bon, allez, je vais chercher sur net, bam, j'avais trouvé la solution. Je t'en mode, oh, ça fait plaisir. Parce que les add-ons, hein, parce que regardez, hein, en fait, voilà. Donc ça, c'était dans les trucs d'unité. Donc, non, même pas, c'était dans les éditeurs de mise en page, barre, parce que voilà, il y a un paquet. Hein. Et en fait, il fallait juste descendre ça. Ça au max. Si on met ça à fond, regardez, hop, il y a la barre qui est affichée là. Vous vous en foutez, je sais pas pourquoi je vous montre ça. Vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est bien, Goltor. Ah, cool story, bro. Ah, je m'en branle. Comment allez-vous? N'oubliez pas que la consigne, c'est ne revenez pas tant que vous n'êtes pas. Vous ne vous êtes pas fait mordre. Ah, d'accord. Bah écoute, voilà les résultats. Je me suis fait attaquer par un requin. Pas mal du tout, mais vous savez, à votre place, j'irai prendre un bain le plus vite possible. Bon, et pour ce qui est de votre monstre marin. Prenez donc une bière ou deux en attendant. Merci, réserve spéciale de Sombre Lune. D'accord. Avec grand plaisir, mec. Oui, Tétir existe bien, et il vit au large de Terra Mort. Il a un faible pour tout ce qui brille, et c'est à cause de lui qu'ils ont éteint le phare, vous voyez. Ah ouais, carrément, d'accord. Et si on le rallumait, il y reviendrait tout de suite, mais aucune personne sensée ne ferait ça. Voilà donc votre plan. Ça a été un plaisir de prendre un verre avec vous, mais n'allez pas vous en prendre au bon vieux Nat si Tétir vous transforme pour de bon en appât à poisson. Si vous voulez vraiment faire ça, n'oubliez surtout pas que consulter le Major Mills au dock de Terra Mort. Donc il faut en fait que je rallume le phare. Mais on l'avait déjà fait ça en fait, monsieur Nat. Monsieur Nat Pagel. On l'avait déjà fait parce qu'on avait aidé donc la gnome. Ah tiens, il ressort. Bah, comme quoi, tout à l'heure, il a juste pas voulu la sortir. La gnome pour allumer le phare en fait. On avait été récupérer justement des. C'était quoi? C'était de l'huile de. Pas de baleine, mais des batrodons ou je sais pas quelle connerie ou je sais plus quoi là. On avait récupéré de l'huile d'un animal pour pouvoir allumer le phare. Donc ça avait déjà été fait. Mais bon, on va y aller. On va bien voir ça. Ah oui, en passant, tiens, je repose la question. Je l'ai posée dans le dernier épisode, mais je vous le redemande encore parce que voilà, tout le monde n'a pas répondu, j'ai l'impression. Je vois beaucoup de pouces bleus, ça fait très plaisir. Hein, mais bref, comme je dis ça, vous faites ce que vous voulez, vous en mettez pas, je m'en fous. Enfin, si, ça fait plaisir quand même. Mais mettez ce que vous voulez, rouge ou bleu, ça m'est égal. Comme je dis toujours, juste si vous mettez des bleus, me dire. Enfin, si vous mettez des rouges, me dire pourquoi vous n'avez pas aimé, c'est tout ce que je demande. Mais bref, je vois beaucoup de gens qui mettent, qui aiment la vidéo, donc des pouces bleus, mais très peu de gens ont répondu à la question, donc je vais vous emmerder, je vais vous reposer la question encore. Est-ce que vous... Ah oui, Kerrigan, au fait, hein. La bitch, là. Hein. Kerrigan, voilà, hein, bon. C'est tout qui revient. Est-ce que vous préférez voir des vidéos de WRPG très fréquemment, ou vous aimiez l'ancien rythme qu'il y avait? Voilà, je repose la question. N'hésitez pas à répondre à ça, c'est très important. Je vous emmerde avec ça. Promis, après, j'arrête d'en parler dans les prochains épisodes. Mais vraiment, j'aimerais que vous répondiez pour essayer d'avoir le plus de retours possible, en fait. Donc, voilà. Alors, Major Mills. Salutations. Vous racontez vos aventures avec Nat Pagel en faisant bien attention à omettre l'épisode du test de l'appât, évidemment. Enfin, s'il a un bon odorat, il va vite le sentir. Eh bien, on dirait que la marche à suivre est toute tracée. Je vais faire les préparatifs. Monstre marin ou pas, nous n'allons pas risquer notre cargaison. J'ai ordonné à nos meilleurs tireurs de se préparer pour une confrontation avec tes tirs. Les artilleurs ont ajouté 3 mortiers aux défenses du port. Ah oui! Je vais donner l'ordre d'allumer la lampe du phare. Si tes tirs attaquent effectivement, votre travail sera d'actionner les mortiers pour l'abattre avant qu'ils ne tuent tous les tireurs. Mais, à votre place, j'éviterai de rester trop longtemps au même endroit. L'utilisation des mortiers attirera sans doute son attention. Il va nous donner un harpon du monstre des mers. Harpon dégueulasse. Mais c'est pas grave, oui je veux. Allez, tireur d'élite, en formation. Donc j'ai le canon en fait, hein. J'en ai qu'un, c'est ça? Ah non, il y en a là-bas, il y en a ici, et il y en a là-bas. Donc il y avait effectivement 3 canons. 12 tireurs d'élite sur 12. Il est là-bas. Moutetir. T'as combien de points de vie, mon petit cochon? 147 000, ah oui quand même. 47 000, j'aurais bien voulu l'attaquer, mais ça va être un peu compliqué. Je prépare les canons. Attendez. Attendez. Ah, le mec,
Bon, t'étires. Tu te poses ou... Petit monstre marin, effectivement. Protéger les docks de terre à mort de tes tirs. Mais ben oui, mais... Faut que je prenne des boulets, non? Je ne peux pas attaquer cette cible. Ah, quand même. Vite. Ouais, on va activer l'autre canon. Vite! Putain, c'est une méga baston en fait! Où est la musique épique là? Feu! Dans ta gueule! Où je te crame le cul, j'en ai rien à foutre moi! Ça va chier. Putain, on lui baisse pas beaucoup ses points de vie. Ça va toi? Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un, tes tirs. T'as compris? Si tu tues quelqu'un, je te bute. Ah! Il reste combien? Putain, il a tellement de points de vie! Feu! Là, si vous entendez musique épique depuis le début, dites-vous que c'est moi qui l'ai rajouté au montage. Tu vas mourir. You couldn't die, motherfucker. Fais aller-retour entre tous les canons. Il y en a déjà deux qui sont morts, tireur d'élite. Mais chier. Pas comme ça à tes tirs. Tiens! Non, mais cherche pas, tu vas crever, hein. Tu vas crever, c'est moi qui te lis, hein. En fait, on lui fait pas de dégâts aussi, ici, quand même. 31. En fait, c'est un timer, j'ai l'impression. Tiens! Boum! Si, ça lui fait très mal. Ça lui fait perdre quelques pourcentages, oui. Allez vite! Il y a déjà deux morts. Interdiction d'en perdre plus. Mourez pas, bande de cons, hein. Attention! Hein. Sinon, je vous ressuscite et je vous bute. Et je peux vous ressusciter, hein. Je vous préviens, j'ai la rédemption. Donc. La baston ultra épique. Tu vas mourir, tes tirs. Fouette paladin, tu vas crever. Jamais plus tu ne feras chier tous ces pauvres gens. Oh non, il y en a un autre qui est mort. Bon, normalement il va mourir là. Au prochain canon. Toujours 7. Attention, tes tirs. Tu ne feras plus chier tout le monde comme je l'ai dit tout à l'heure. Fini pour toi de te balader dans ces eaux troubles. Meurs, engeance démoniaque. Ouais, oui, 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 fait-on les morts, de mec. Ouah, c'est trop stylé le feu d'artifice.
Et bien voilà, on a tué tes tirs. On a terrassé le monstre marin qui terrorisait les gens, enfin qui terrorisait surtout une légende en fait, on l'a plus buté pour histoire de, mais au moins le phare peut-être allumé. Bien joué Goltor, je dois admettre que quand j'ai vu la bête pour la première fois, j'ai eu des doutes quant à nos capacités à défendre les docks, mais vous avez brillamment tenu le coup. Merci pour ce harpon dégueulasse. Ta-da ! Et bien voilà, quête terminée. Bon ben maintenant, hein, putain c'était dommage, hein, on n'a pas eu beaucoup de choses à faire avec Nat Pagel, oh, ça m'emmerde. Bon ben direction la ferme de Tabessa, hein, écoute. Hein. Allez, allez. Hein. Voilà, tout à l'heure il y avait ça pendant qu'on combattait. Cette musique là, écoutez. Mais Goltor, il n'y a pas de musique? Oui, justement. Alors c'était un peu awkward. Hein. Awkward de chez awkward, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Allez. Bon, je sais pas ce que j'aurais foutu comme je disais, comme musique épique, j'aurais bien, je pense que je vais mettre un truc sympa. Alors, je vais essayer de pas mettre de musique copyrightée, hein. Non pas parce que ça risque de flag la vidéo, parce que je le rappelle encore, hein, mais pour ceux qui ne le savent pas, qui rejoignent peut-être, qui sont pas au courant, qui ont rejoint la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Je n'ai aucune chaîne monétisée sur, enfin aucune vidéo monétisée sur la chaîne. Aucune chaîne monétisée sur les vidéos. Hein, quoi? Non, aucune vidéo monétisée sur la chaîne, donc voilà, hein, c'est de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Enfin si, c'est pas vrai, il y en a 4 ou 5 je crois. Mais c'est parce qu'elles ont été monétisées par les propriétaires des chansons qu'il y avait eu dans Final Fantasy X, dans un épisode de FF10, dans des épisodes de comment ça s'appelle, de Fallout aussi, enfin voilà. Donc ce n'est pas moi hein, qui les ai monétisées, c'est les propriétaires qui m'ont dit hop 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 hop, cette musique est à moi. J'étais en mode oui. Donc on va la monétiser. Si vous voulez, j'en ai à foutre. Mais par contre, je vais quand même essayer d'éviter de mettre des trucs copyrightés parce que des fois, ces petits saligots bloquent les vidéos et elles ne sont accessibles que depuis des ordinateurs et pas depuis des téléphones portables. Et ça, c'est un peu emmerdant. Alors, je me demande. Voyons donc la ferme de Tabessa. Bonjour. Bonjour, bonjour. Il y a pas mal de choses à faire ici. Alors, qui es-tu ? L'affaire qui vous amène doit d'avoir grande importance pour vous, paladin, pour vous conduire si loin dans le marais. Terramor a bien fait d'envoyer quelqu'un. Les suspicions de votre ami le garde sont fondées. Nous avons de nouveaux voisins, et c'est pas du genre à qui on apporterait de la tarte, hein? Une tourte ou une tarte? Allez, dans l'honneur. Les tourtes, c'est pas des tartes. Alors, quand cette gobeline, comment s'appelle-t-elle déjà? Boxy, Foxy, Moxie, Mad Moxie? Où ça? C'est ça, enfin, quand elle est passée ici en route vers l'épave de Zeppelin, elle a dit que la ville de Bourbabrac rencontrait des difficultés. Ce Zeppelin qui s'est écrasé leur a apporté du ravitaillement. Si vous suivez la route vers le sud, au-delà des ruines Cognepierre, vous finirez par arriver à Bourbabrac. Ok. Vous pourriez aller voir Drazit Suint... Bonjour. Putain, un torrent ça. Suint Valve là-bas et demander s'il y a quelque chose que vous pourriez faire pour aider. Si tu veux. Oui. Adieu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les quêtes qu'il y a aux alentours. Salutations. Je l'ai raté, mais bref. Dis-moi pas bonjour, salaud. Ouais, pourquoi je déteste les hordes? C'est le mec qui commence à prendre un cas isolé juste pour la story. J'aimerais bien que nous ayons un prêtre ou un druide dans les parages. Je ne peux pas reprendre les études tant que mes blessures ne sont pas guéries. L'arme des totems sinistres. La dernière fois que les totems sinistres nous ont attaqués, j'ai été blessé. Mais j'ai quand même pu m'emparer d'un étrange totem que nos ennemis utilisaient contre nous. On aurait dit qu'il envoyait des éclairs d'énergie pendant la bataille. Mais malgré toutes mes expériences, je n'ai pas réussi à découvrir comment il fonctionne. Je vous prêterai ce totem si vous acceptez de m'aider à le tester. Les zones humides qui entourent la ferme sont peuplées de sales crocolisques tachés et de crocs-lames sans sèche-fange, pardon. Essayez de combattre les crocolisques près du totem. Pendu. Voyons si je dis bonjour. Ah, bon, l'alliance n'est toujours pas... je voulais essayer de parler, j'allais dire, eh, vous voyez l'alliance? Mais non. Enfin bref. Pour ce qui est de pleurnicher, dès qu'il manque de composants, hein, on peut toujours compter sur l'apprenti Morlan. Hein, d'habitude, je me contente de l'ignorer. Hein. Mais ça ne marche jamais. Cette fois, je vais essayer autre chose.
Peut-être que si je remplace les composants manquants avant qu'il ne s'en rende compte, il me laissera tranquille. Le composant le plus commun que nous utilisons est le venin des marais, qui provient des rampants, pardon, sombres crocs et des déchiqueteurs nuisibles dans le marécage du nord de la ferme. Si vous m'apportez le venin, je le remplacerai avant que Morlan ne remarque son absence. Une cape envoûtée, pardon. What? Ah, c'est très... C'est très... flashy. Un bon voyage. Mais je prends. Bon alors, toi, je t'ai vu, c'est toi l'apprenti Morlan. Vous êtes deux apprentis à Lord Tabitha et vous faites chier tout le monde, c'est ça? Et stylé, il a un air de Conan, lui, quand même. Hein, je veux pas dire, mais... il a l'air bien plus bourrin que l'autre. Si vous voulez parler à l'apprenti Garion, vous le trouverez dans la maison, avec Tabitha. Au moins, là, il ne peut pas voler tous les composants. Ah bon? Les membres du totem sinistre au poste de Navrecorne, juste au nord, deviennent chaque jour plus audacieux. La nuit, on les entend souvent chanter leurs exploits au combat contre les nôtres qui ont essayé de s'installer ici. Ils sont bien décidés à nous chasser de la ferme de Tabitha, même s'il y a, si elle a éduqué des générations d'apprentis. Nous faisons notre mieux pour défendre la ferme, mais l'apprenti Garion a été blessé lors de la dernière attaque. Allez au poste de Navrecorne et tuez tous les totems sinistres que vous pouvez y trouver. Leurs attaques doivent cesser. Il a l'air bien plus badass, oui. On se voit plus tard. Badass motherfucker in town. L'épave du Zeppelin. Il y a peu, un Zeppelin gobelin s'est écrasé à l'est. Oui, on a entendu parler. Une représentante du cartel, donc Moxie, hein, il doit parler d'elle, Jante Oppression est passée ici il y a quelques jours. C'est ça. Elle cherchait des informations à propos de la cargaison ainsi que du pilote, Bézil. Mais aucun d'entre nous n'a vraiment bien vu l'accident. Je doute qu'elle réussisse à nettoyer le lieu du sinistre toute seule et encore moins à récupérer la cargaison du Zeppelin. Si vous avez le temps, vous devriez peut-être aller la voir à l'épave de Bézil. Plein est d'ici, près des montagnes. Que la journée soit bonne. Eh bien écoute, on a du taf. On a du taf, on a du taf. Donc on a des araignées à buter, on a donc à aller voir la petite qui se trouve là-bas, Moxie. On va l'appeler Mad Moxie, hein, parce que voilà, fuck it. Mad Moxie, un personnage bien sûr de Borderlands. Très très bon. Je vous faudrait qu'on arrive à se faire le Borderlands 2 un jour aussi avec Kalen. Mais là en ce moment, voilà, hein, lui il a vraiment pas de chance, le pauvre Kalen. Ça fait bientôt plus de 2 mois, je crois, qu'il n'a pas de connexion internet. Donc ça fait un peu chier. Il ne peut pas streamer ni rien, en plus il a un matos de fou. C'est un truc de dingue. Hein. Je vous conseille d'aller voir ses streams. Bon, bien sûr, pas là en ce moment parce qu'il ne peut pas, mais dès qu'il aura récupéré son matos, n'hésitez pas à aller voir ses streams, c'est vraiment fun. Hein. C'est vraiment cool. C'est vraiment une autre ambiance des vidéos que je fais. Donc c'est ça qui est bien, vous avez deux types de contenu à regarder. Vous pouvez aller voir le contenu donc de Kalen, le streamer, ou alors les vidéos de con de Goltor. Hein. qui fait un peu tous les jeux. Un peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, tiens, en parlant de ça, j'ai lancé un nouveau let's play. Oh yes, la fusée, trop stylée celle-là. J'adore cette fusée, trop belle. Un nouveau let's play. Alors je sais, hein, j'avais dit que j'en ferais pas d'autres. Mais voilà, j'ai dû arrêter Mass Effect Andromeda. Et je sais aussi que j'avais dit qu'on continuerait Mass Effect Andromeda. Bon, j'en ai parlé dans le nouvel let's play qui est Mass Effect 1. En fait, on va se faire la trilogie. Mass Effect 1, 2, 3. En fait, j'avais des graves problèmes d'enregistrement. D'ailleurs, petite parenthèse encore, parenthèse dans la parenthèse, hein, Goltor, c'est quand même un peu méta ce que j'ai en train de faire, mais j'étais sur un sujet, je pars sur un autre, je fais une parenthèse et je fais une parenthèse de la parenthèse. Mais bref, vous inquiétez pas, je vais remettre tout ça en place après dans la discussion. Le dernier épisode, il y a eu quelques petits décalages son vidéo. Je m'en excuse, vers la fin de la vidéo il y avait un petit décalage d'une bonne seconde, ce qui était un peu gênant, moi ça m'a pas mal dérangé. J'espère que ça vous a pas trop fait chier, je m'en excuse encore. Mais voilà, avec le nouveau matos, tout ça. Oh yes, on a plein de nouvelles montures. Avec le nouveau matos donc que j'ai pas encore tout bien mis en place, mais je fais en sorte que tout aille bien, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, encore excusez-moi pour donc le dernier épisode. Revenons donc oui au nouveau let's play. Et pourquoi le fait que j'ai arrêté de Mass Effect Andromeda, c'est que justement, en parlant de problèmes, de décalage, j'avais des gros soucis d'enregistrement avec Mass Effect Andromeda. Des gros problèmes de synchronisation, son, image. Et donc, je me disais, c'est pas très grave, c'est dû à mon ordi. Parce que j'avais un ordi qui était un peu en fin de vie. Je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Donc du coup, je passais énormément de temps à recaler le son. Mais vraiment, quand je dis énormément de temps, c'est un truc de fou. Hein. Comme je dis, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de Mass Effect, mais dans le premier épisode, mais je passais des heures à recaler le son et l'image parce que ça se décalait toutes les 2-3 minutes.
Donc sur une vidéo d'une heure, ça fait un sacré paquet de trucs à remettre en place. Beaucoup d'intervalles à remettre pour que la vidéo soit bonne. Ce que j'avais fait donc dans les épisodes de Mass Effect Andromeda. Mais là, avec le nouveau PC, donc j'ai dit on reprend l'aventure. J'avais tourné plusieurs épisodes, j'étais super content, je m'en jaillis et tout, le jeu est cool, bref, tout ça. Et au moment du montage, je m'aperçois que le problème est encore présent. Qu'est-ce que vous êtes ? Des déserteurs ? Pardon ? Putain, vous désertez alors que vous avez Jaina comme... Putain, what the fuck ? Calme-toi, gueule. Donc je dis oui, quand j'ai remis tout ça, je dis putain, mais encore des soucis ! Et là, je me suis renseigné sur les forums. Mais alors attention, c'est pas un décalage comme la dernière vidéo que vous avez vue sur WoW. Hein. Quand je parle de décalage sur Mass Effect Andromeda, je parle d'un décalage de... Il faut que je tue quoi, en fait, là ? Totem sinistre ? Je parle d'un décalage de 10-15 secondes, hein. C'est pour vous donner une idée, c'était la supra-violence, hein. Ça ne rigole pas du tout. Alors il faut que je tue des totems sinistres, non, attendez, excusez-moi, il faut que je relise la quête. 10 crocolis que t'achetais, voilà, c'est ça qu'il faut que je tue. Ok, très bien. Donc voilà, gros souci de synchro, j'étais en mode, oh, non, mais c'est pas vrai quoi, j'ai pas recommencé à tout faire là, c'est pas possible. Et donc je traîne sur les forums, et là, je vois qu'en fait le problème vient bien de Mass Effect Andromeda. C'est unique, apparemment, c'est, enfin, je vais pas dire unique à ce jeu, mais c'est surtout dû à... Pourquoi je suis pas dans... Mais je suis dans le bourbier, qu'est-ce que tu me... Je ne peux pas poser totem parce qu'il considère que je ne suis pas dans le bourbier. D'accord. Bon écoute, Crocodile, que tu vas me suivre, s'il te plaît. Voilà, bon là, il considère que je... Ok. C'est pas très grave, on va s'en aller d'ici. Non, mais allez. Sors de l'aggro, s'il te plaît. Merci. Donc bref, tout ça pour vous dire que du coup, voilà, j'ai checké le net, j'ai un peu écumé les forums, j'ai vu que ça venait bien de Mass Effect Andromeda, et je suis désolé, mais je n'ai pas le courage de repasser plusieurs heures à monter et à recaler les vidéos. À cause du fait que le jeu déconne quoi, hein, le jeu déconne. Le jeu est très bon, je le redis, le jeu est très bon. Il a d'énormes défauts, ça je vais pas le nier, hein, ça, c'est clair et net. Des gros défauts d'optimisation, enfin de pas d'optimisation puisqu'il tourne un peu sur toutes les bécanes, mais bref, des gros défauts de bugs, de lag, de tout ce que vous voulez en fait. Hein, le jeu il part en sucette, c'est un truc de fou. Avec des fois des PNJ qui font des trucs complètement débiles. J'ai eu à un moment donné, parce que comme je dis, j'ai tourné plusieurs épisodes. À un moment donné, j'étais sur une planète avec une manifestation. Donc il y avait des mecs qui étaient en train de manifester. Non, c'était pardon, dans le vaisseau. Quand on était retourné dans le vaisseau principal, enfin sur le truc principal, il y avait des gens qui manifestaient, qui étaient en mode ouais, on n'est pas d'accord pour le fait qu'il n'y ait pas tout le monde qui soit sorti de cryogénisation. Parce qu'il y avait plein de gens qui étaient cryogénisés, et du coup, ils étaient en mode, bon, on veut récupérer nos familles. Et, pour manifester, en fait, ils ont bloqué la serre qui permettait de faire de l'oxygène dans le vaisseau principal. Et il y a un Krogan parmi eux, et en fait, pendant que tu discutes avec les gens, donc les gens qui sont en train de manifester, le Krogan fait des trucs, mais alors... C'est juste à mourir de rire quoi. Il bouge tout seul, il est en mode pouf, t'es pas, pouf, il fait des trucs débiles. Je comprends pas trop, mais bref, c'était assez marrant à voir. Donc voilà, beaucoup de problèmes d'animation, enfin plein de conneries comme ça. Beaucoup de choses ont été réparées avec les patchs, mais il n'empêche que le jeu est encore. Oh putain, date monture! Le jeu est encore bien, bien, bien laggy comme il faut. Bon, par contre, c'est très long parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il ne focus pas tout le temps les ennemis. On ramasse plein de viande mystère, ça c'est bien. Enfin bref, voilà. La parenthèse a été faite. Donc du coup, voilà, vous avez un nouveau let's play qui arrive. Avec Mass Effect 1, 2 et 3. Et putain, j'avais oublié à quel point ces jeux sont bien, quoi. Putain, c'est... Si vous aimez un peu les jeux let's play que je fais, ben, genre WoRPG, où on se balade un peu, où on lit beaucoup de textes, on parle à beaucoup de PNJ, on fait de l'action, mais pas tout le temps. Vous risquez, je pense, d'aimer Mass Effect parce que on a beaucoup, 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 beaucoup de dialogues, pas mal de cinématiques. Ah merde, non, je croyais qu'il était en train d'invoquer un truc, mais non, c'était.
pas mal de dongwe de cinématiques, de dialogues, de choix, enfin c'est vraiment cool. Et en plus de ça, ce qui est vraiment cool avec cette série qu'on lance là, avec ce nouveau Let's Play, c'est que Mass Effect, c'est une trilogie. C'est-à-dire que on peut faire des choix dans le 1, dans le tout premier, ce que je suis en train de faire donc, qui vont se répercuter sur le 2 et le 3, parce que j'importerai ma sauvegarde. C'est-à-dire que si je bute un personnage clé dans le 1, eh ben tant pis, dans le 2, on l'aura en tant que mort. Et ça, je trouve que c'est juste trop cool. C'est vraiment sympa comme truc. Donc ça me botte beaucoup. Et comme je dis, le jeu est tellement bon, tellement bon, tellement bon. Donc voilà, bon, on s'emmerde un petit peu là, hein, avec cet totem là. Oh là 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 là. Heureusement que j'ai toutes sortes de conneries à raconter parce que putain, hein. Non, les araignées, on n'a pas à les buter avec ça. Les araignées, on n'a pas à les buter. On a dit... Donc les crocolisques ou les crolames. Vous allez voir. Hein. Les déserteurs, je vais m'occuper de votre cas, ça va être vite vu. Bah, il nous en reste deux. Je ne suis pas apporté. Au fait, le niveau des donjons, faut qu'on vérifie ça aussi. Donc on avait fait H-Trip les grands jardins. Oui, voilà, on est d'accord. Hein. Il nous manque donc les souilles de Trancheborge. On avait fait H-Trip les grands jardins jusqu'au niveau 49. Non, on n'avait pas fait H-Trip les grands jardins. Ah, j'ai un doute. Ah, j'ai un vieux doute là. Merde. Normalement si, hein. Normalement si. Je sais plus. Alors attendez, je vais regarder un truc. Donc donjon et raid classique. On a dit c'était le donjon H-Trip. Alors je sais que là on a les hauts faits, mais voilà, H-Trip. Donc il nous manque le roi Gordok. Donc il nous manque un H-Trip, techniquement. Il nous en manque un seul. Donc il est là, Gordok. Ok, c'est bon. Donc c'est bien ça. Il faut donc taguer pour les souilles de Trancheboche jusqu'au level 50. 50 déjà, putain. Ah, 50. Calme-toi, 50. C'est trop bien, 50. Franchement, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on fait? On tag pour le donjon. On est déjà une demi-heure de vidéo. Pardon. Pourquoi j'ai perdu ma monture? The fuck. Quelle est cette sorcellerie? J'hésite. Je vous dis franchement, j'hésite. Bon, normalement, c'est pas un gros donjon. Souille de Trancheboge. Bon, allez, je vais lancer pour le donjon. On va voir si ça tag ou pas. De toute façon, on verra bien. On verra bien. D'ailleurs, autre chose, quelqu'un m'avait rappelé dans la vidéo précédente. Il m'a dit, oui, au fait, Goltor. Sympa le petit bouquetin. J'aime beaucoup. Ils sont très beaux, J'appelle tout moi des bouquetins, de toute façon, voilà, tout ce qui ressemble à des chats. C'est quoi, c'est des trucs de Kunlai là, je sais plus comment ils s'appellent. Magnifique, hein, dans l'extension Mist of Pandaria, j'adore ces espèces de taureaux, je sais pas trop comment on pourrait dire, je me rappelle plus son nom exact, mais bref. Donc oui, quelqu'un m'avait dit dans la vidéo précédente, de WRPG, m'a dit, oh, au fait, Goltor, t'avais parlé à un moment donné d'un trésor caché dans la tête de la statue qui se trouve à Baie du Butin. Vous savez, j'en avais parlé, j'étais en mode « Ah, oh, je voulais monter, mais j'y étais pas arrivé. » Et il m'a dit « Est-ce que tu pourrais y aller voir ?» Parce que ça m'intrigue, cette histoire-là. J'ai un doute, en fait, qui... Le doute m'habite. Et donc, j'ai dit « Oui, oui, pas de souci, mais il faut qu'on débloque le vol, en fait. » Donc, tant qu'on ne sera pas level 60, malheureusement, je ne pourrai pas aller vous montrer ce qui se cache dans la tête de la statue qui est cassée à Baie du Butin. Avec le petit trésor. Je pourrais le faire avec un autre personnage, mais ben, je vais pas faire une vidéo juste pour ça. Donc, désolé, mais attendez, malheureusement, qu'on débloque le vol pour aller faire un petit tour là-bas. Tout simplement. J'en suis au point de mes réputations, en fait. Tant que j'y pense, la petite réputation. Révéré. Oh putain, révéré. Oui, c'est vrai qu'on était monté révéré. On a le tabard de Gnomeragan. Gnomeragan, on est révéré, bientôt exalté. Donc, pour l'instant, on garde le tabard de Gnomeragan.
si je parle de tout ça, de le fait qu'on ait le vol et tout, c'est que voilà, parce qu'on va bientôt arriver à donc le level 60, level 60 extension, enfin tout ce qui va avec. Donc on aura vraiment de quoi faire, ça va être super cool, ça me tarde tellement. Vous avez pas idée. Vous avez pas idée, parce que ces zones sont belles, mais c'est pas ça. Je vous ai... Oh yes, rayon magique. Ta-da-da-da-da. Yeah. Ah, ceux qui ne connaissent pas cette musique, hein. Bon, bien sûr, pas cette musique que je chante moi, parce que ça ne veut rien dire. Mais la musique de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, putain, Dragon Ball Z, c'est tellement bon. Je n'ai toujours pas regardé les Dragon Ball Super. Il faut que je m'y mette, parce que moi, vous savez que Dragon Ball, c'est... Rien que d'en parler, je suis en mode déjà... Oh, voilà, je me sens bien, là, tu vois, je... J'ai une petite chaleur en bas du... Goltor, pardon, excusez-moi. Non, mais Dragon Ball Z, c'est vraiment, voilà, c'est mon enfance, c'est de l'épicness, c'est tout ce qui était à côté, en fait. C'est les cartes à jouer. Oh, yes, le renard le tient. Les cartes à jouer, les POG, les cartes à collectionner brillantes qu'on avait quand j'étais gamin, en fait, tous ces trucs-là, c'est tellement de souvenirs. C'était des après-midi à regarder, parce qu'on achetait les cassettes avec mon frangin, à regarder les Dragon Ball Z avec mon père. On était, voilà, c'est des putains de bons souvenirs. Et puis DBZ, quoi, DBZ, c'est trop cool. Souille de tranche boche, j'avais dit donc, comme quoi, on va réussir à faire tout ce qu'on voulait, en fait. Donc ça va être cool, ça va être très cool. Souille de tranche boche, un donjon très rapide, donc ça va aller, ça va pas être trop chiant. Ça va pas être trop chiant. Alors, salutations à tous. La quête. J'ai besoin de votre aide. Bonjour, Coristraza. Ouais. Désolé, hein, mais on spam toujours les quêtes dans les donjons parce que beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'ont pas le temps. Donc, déjà, faut pas aller là-bas. Hein. Vous allez mourir hein, si vous y allez. Mon dieu. On va pinguer pour leur montrer que c'est par là. Les gens n'ont pas l'air très très au courant hein. Bon, les gens n'ont pas le temps non plus. Jean-Luc Rushman, là. Ok, allez. La guerre. Ah, ces bruits. Je déteste ces bruits. Je déteste ces bruits de porc en mode... J'arrive pas à le faire, mais bref. Bruit dégueulasse, là. Et en plus, c'est tout le temps, en fait. C'est... Mais calmez-vous, par contre. Calmez-vous bien le cul. Calmez-vous le fion, là. On est tranquille. On est en train de se détendre. On est dans un donjon. Une statue de d'hippocampe dégueulasse là, je sais pas trop ce que c'est, mais bref. Oui, j'appelle ça un hippocampe. Hein, parce que... Mais bon, tant pis si les gens rushent. Et puis ils courent. Putain, faut vraiment que j'arrête avec les chansons. Je me fatigue tout seul. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je suis tellement content de jouer à WoW en fait. C'est trop bien, WoW. C'est trop cool. C'est un bon jeu vidéo, comme diraient certains. Mais oui, je sais qu'il te faut une cible, mon cher. Mais pour l'instant, tu vas te toucher. Alors, le gong. Bon, de toute façon, j'ai pas le temps. S'il y en a un qui va aggro... Si je meurs... Malheureusement, on ne voit pas beaucoup. Enfin, malheureusement. Tant mieux, mais bon. Ça se... C'est chiant. Et tellement stylé, c'est... Pas ce cul de monk. Alors, je t'explique, monsieur le druide. Voilà. Tu es une classe de distance. Donc, normalement, voilà. C'est bien. C'est bien. Tu es censé te casser. Après, je sais qu'elle t'attire, mais tu as des jumps, tu as tout ce qu'il faut. Donc, tu peux t'amuser à sortir de là. Hein, corps à corps, c'est pas top, hein. Je vais pas dire comme les archers, parce que maintenant les archers ont une spé, enfin depuis un petit moment maintenant, pour aller au corps à corps. Spé bien stylé d'ailleurs, que je n'ai toujours pas testé, il faudrait. Hein. Ah, on va aller voir un boss que je trouve trop classe. Punk.
Bah je rush, hein, les gens sont pressés donc... Comment ça? Comment cela se fait? Merde, on l'a raté, il est là-bas. Il manque un boss. Mais... Il manque un boss, pardon. Excusez-moi. On a oublié un boss. Donc voilà, ce boss ultra stylé, il est là-bas en haut. Donc c'est Mordresh œil de feu. Je le trouve trop classe. Il est en train de danser sur sa pile d'ossements en mode ta-na-na-na-na, fuck yeah. Avec du métal plein les oreilles. Et il a une hache ultra stylée. Regardez-moi sa hache. Regardez-moi ça si elle est pas classe. Il est vraiment trop cool. Vraiment trop cool. Autant voilà, je clash la horde hein, souvent pour rigoler. Parce que vous savez que je m'en fous en fait toujours de l'alliance, ça ne change rien. Enfin si, il y a des noms. Mais bref, vous avez les gobs. Enfin la horde, osez. Mais j'avoue par contre que les morts vivants ont une classe en tant que voleur et en tant que... Comment ça s'appelle? Que... avec leur skin en fait, c'est ça que je voulais dire, que j'avoue que ouais, c'est quand même vous avez, voilà, c'est une race qui est cool, j'aime beaucoup hein, la dégaine qu'a ce mort-vivant avec sa putain de gratte, c'est quand même super stylé vraiment. Mais bon, à part ça attends, on n'est pas dans le bon endroit là. Je suis en train de me paumer, on est d'accord. Oui, c'est pas par là, ok. Je sais pas ce qu'on fait là. Je dis franchement, je me pomme un peu dans ce donjon. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. En fait, il y a un mini-boss. Ah, je savais pas. Non, non, me tapez pas. Me tapez pas, bande. Tiens dans ta gueule. Tiens. Eh, je suis tanky ou pas? Aïe. Ouais, parce que c'est bien de m'en foutre plein la gueule, mais maintenant on arrive à un stade. En fait, je vous explique, il faut juste le contrôle normalement. Je crois qu'il casse un truc pour le kick, mais. Ils vont le tuer. Hein. Ils vont le buter. Le pauvre. Ils allaient buter le. Moi, désolé. Y'a pas d'autre ennemi? Y'a pas d'autre ennemi. Allez, cassons-nous. Ouais, c'est par là-bas. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. Tout va bien. Alors, de la bouillabaisse de peste gélatineuse, quoi. Ici, si ça, c'est pas beau, je te dis, moi, ça du fait avec des petites fricassées, quoi. Je me moque de cet accent alors que je viens de là, quoi. Je suis, d'ailleurs, j'habite là, dans le sud-ouest. Bon, après, ça, c'est plus l'accent du sud-est, j'avoue, c'est pas l'accent du sud-ouest. Accent un peu comme ça, quoi. C'est un peu, voilà, c'est plus côté... côté Marseille et tout ce qui s'ensuit. Moi, c'est plus la montagne, on va dire. Bouilleux grume, ferme-mus ta gueule. Le grume va mourir. Pourquoi je ne peux pas lancer mon bouclier? Ah oui, parce qu'il manque, oui, c'est bon. Il est bien ce fondu, hein. Il est cool, hein. Par contre, ils font un peu trop. Je ne vois pas les timers de repop de mes compétences. C'est pas très grave. Vous voyez, là, je vois pas combien. Ouais, il est resté 8 secondes. Des épaulettes, ah mais de cuir. Non mais ignore vos add-ons, laisse mes add-ons comme ils sont là, ils sont très bien mes add-ons. M'emmerde pas. Commence pas à faire chier hein. Je me suis cassé le cul à créer, à paramétrer ces add-ons. Hein. Bizarre là, tu vas pas m'emmerder en me disant ouais les add-ons, shut the fuck up. Les gens n'ont pas le temps. Mais ça ne change pas. Donc on est déjà à la fin du donjon hein, c'est vraiment un donjon très très rapide hein, je vous ai dit hein.
on va pas vraiment perdre beaucoup de temps, au contraire. Hein. Enfin, perdre du temps, c'est pas ça que je voulais dire, mais passer énormément de temps et ne pas pouvoir faire des quêtes ou quoi que ce soit. Alors, oui, bon, c'est pas très grave. On pourra leur rendre des quêtes. Ensemble, nous pouvons déjouer les plans du nécrorateur Noir Épine. Mais nous ouais, t'as raison. Fuck la souris. Le mec, il a gros une souris, quoi. Alors ça, c'est un donjon, à l'époque, que beaucoup de gens farmaient. Vous savez pourquoi? Alors, c'est peut-être... Alors, ceux qui ont joué il y a longtemps, bon, peut-être... Bon, il n'y avait pas que lui, mais celui-là était énormément farmé, parce que dans ces petites huttes, il y avait des fois des coffres. Et donc, les voleurs ouvraient ces coffres, ou les forgerons avec les clés, en fait, c'est toujours pour les voleurs, parce que, quand je parlais, il n'y avait que les voleurs qui pouvaient les projeter. Et il y avait énormément de compos. Des compos, il y avait des plantes, il y avait des armes vertes, fait des trucs comme ça. Et sachant qu'avant, ben, les armes vertes, ça coûtait un bras, pas pour la transmo, mais pour s'en équiper tout simplement. Du coup, plein de gens farmaient ces trucs-là. Ça me rappelle ce souvenir-là. À chaque fois que je passe dans ce donjon, je suis en mode, ah oui, c'est vrai, des gens qui étaient en mode, hey, le coffre est à moi. Tout le monde faisait besoin surtout. C'est un peu comme les mortes mines. Dans les mortes mines aussi, il y avait des endroits comme ça avec des coffres que tout le monde rushait. Hein. Je me souviens quand on rentrait dans les mortes mines à un moment donné, là où il y a tous les singes, les conneries comme ça à gauche. Ben ça parlait déjà d'un petit peu plus longtemps parce que c'est au moment où Van Cleef était déjà mort. Parce que oui, il y avait Van Cleef avant. Il y avait fucking Van Cleef. Et dommage qu'il ne soit plus là. Bon, après c'est normal, l'histoire avance, mais j'adorais tellement Van Cleef. Hey, regardez, il y a un coffre là-bas, vous voyez? Alors on va l'ouvrir. Ouais, tiens, il y a quelqu'un qui l'a vu. Et donc ça, tout le monde fonçait comme des barbares en mode hey, le coffre, le coffre, le coffre. Pour récupérer le contenu, c'était trop marrant. Des petits souvenirs comme ça qui me reviennent en faisant les... En faisant cette série. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai eu. Mais avant ça, jamais de la vie, t'avais des objets. Hein. Tout le monde faisait besoin comme des chiens. Mais vraiment, ça faisait besoin, mais comme des porcs. C'est en mode, c'est du tissu. Ouais, mais j'emporte. Hein. Mais t'es pas là-dedans. Ouais, non, mais je... Ta gueule. Les souvenirs de World of Warcraft. World of Warcraft. Putain, j'ai sursauté. J'ai le chat qui a foutu un bordel en haut. Mon chat, des fois, c'est un cheval, hein. Tu sais, des fois, t'entends rien, puis d'un coup... Là, tu fais putain. Ça s'appelle Winter. Parce qu'elle est toute blanche, j'en avais déjà parlé. Comme l'hiver, comme la neige. Donc du coup, après, je suis là, Winter. Et je la vois après, parce que j'ai... Là, je suis sur devant le PC, tout ça. Et donc j'ai l'escalier sur ma gauche et je la vois juste passer sa petite tête au niveau des marches et au loin tout en haut, tu sais, tout en haut je vois juste un petit bout avec ses deux petits gyrophares d'œil là qui brillent en mode non c'est pas moi. Regarde si c'est dangereux ou pas de descendre ou tu vois. Allez chat quoi, c'est pas tard. Non je rigole, j'adore les animaux. Chat ou chien, moi je suis pas team chat ou team chien, j'adore tous les animaux. Bon, on va voir d'ailleurs le démon là, enfin je sais plus comment il s'appelle. Non, mais je m'en fous de ça. Voilà, l'espèce de Kel'Thuzad version 2. Bon, j'appelle tous ces mecs là des Kel'Thuzad alors qu'en fait c'est des liches, c'est juste des liches. Ils sont vraiment stylés. Le design est magnifique. Hein. J'aime beaucoup le design des liches. Faudrait peut-être que je m'écarte voilà, de cette. Là aussi, là où ça pulse. Dans ta gueule, dans ta gueule, et voilà, souille de tranche au bourge. On s'en fout. Voyons, un super casque on va passer, hein, enfin, Cupi. parce que bon. Alors, bonjour, madame. Amnénar ne contrôlera plus les Hurons et ne menacera plus Kalimdor. Ouais, bah écoute, si tu le dis. Non, désolé les gens, je ne suis pas là pour rusher, vous allez vous calmer, hein. Bien joué, mais il reste la moitié de travail à faire maintenant qu'une partie du soutien de son soutien est en proie au désordre. Le temps est venu pour nous de prendre. Ok. Nécrorateur dans l'épine. Excellent travail, Goldor. Avec le phylactère d'Amnenar sous la garde du vol draconique rouge, nous pouvons retrouver la sérénité. Le vol draconique, c'est aussi encore un truc très puissant. Bonne soirée. C'est le groupe d'instance. On en apprendra un petit peu plus plus tard.
Voilà, donc retour dans la ferme de Tabetha. Donc, notre espèce de Rambo. Attends, je vais descendre mon tir quand même, on va faire poli. On est level combien du coup? Putain, mais on est trop bien, on est toujours pas 50. Donc, il nous restera H-Trip commun Gordok jusqu'au 52. Pff, on est tellement bien. Alors, l'apprenti Morlan Opin. Bien. Je ne peux pas dire que leur compagnie, si on peut appeler ça comme ça, me manquera. Vous savez, je croyais qu'au beau milieu du marécage, on aurait eu au moins droit à un peu d'intimité. En même temps, tu vas sur leur terre, donc forcément, c'est normal qu'ils cassent la gueule. Hein. Bon, où est-ce? Oui, bon d'accord, ils sont mal les couilles. Grosse quête de merde. Un troll. Un trollesse. Vous avez besoin de quelque chose? Avez-vous découvert quelque chose en testant le totem? Oui, ça balance de la foudre après, voilà. L'apprenti écoute votre récit de l'expérience. Un brouillard et des éclairs, c'est tout. Il doit y avoir autre chose. Les totems sinistres n'apporteraient sans doute pas un objet sur un champ de bataille s'il n'y avait pas une utilité quelconque. Mais je t'emmerde. C'est pas ça et puis c'est tout, t'es content ou pas? Ah, ça a planté. Que la journée soit bonne. Oui, que la journée soit bonne aussi. Vous avez le venin. Morlan peut se rendre compte de son absence à n'importe quel moment maintenant. Mais t'arrêtes de lui voler son matos aussi. Il examine le venin. Voilà qui est absolument parfait. Il n'y verra que du feu. On se voit plus tard. Bon, mais voilà. On avait que ça à faire sur la ferme de Tabetha. Ok. Bah, on s'emmerde un petit peu. Allons parler à Mad Moxie. Coltor, arrête avec Mad Moxie. Non. Non. Mad Moxie. C'est le mec chiant. Allez, on va aller la voir. Voir ce qu'elle a à nous proposer. Faudrait que j'ouvre un petit peu aussi mon guide de l'aventurier. On a le cratère d'Ungoro à aller visiter. On a tellement de zones de quête à faire. Ça va être compliqué tout faire à 100%. On va essayer, on va y arriver, mais ça va être compliqué quand même. Donc, alors, bonjour ma petite gobline. C'est un peu la merde. Les gobelins sont tellement classe depuis qu'ils ont intégré au jeu. Comment ça va? La situation est pire que je le redoutais. Le zeppelin est plus qu'un tas de métal tordu, de carburant enflammé. Bordel de fucking fuck. Alors, ce sont les mages ermites qui vous envoient. Et comment je saurais si je peux vous faire confiance? Bah écoute, ma belle, t'as pas le choix, hein, en fait. Hein. Enfin, j'aurais bien besoin d'aide. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Hein. Contente-toi de l'aide qui arrive et puis c'est tout. Il n'y a pas grand-chose qui pourrait intéresser un mage par ici, de toute façon. Ouf. La réputation. Prévention de la corrosion. Jetez un œil à ce coin, ça grouille de limon. Si on trouve pas un moyen de les tenir éloignés du zeppelin, ils vont faire rouiller tous les débris et la cargaison. Je ne peux pas rentrer les mains vides, paladin. Aidez-moi à dissoudre ces limons avant qu'ils aient tout digéré. Une fois chargé, cet appareil pourra concentrer de l'énergie sur les limons et les faire exploser. Mais putain, la batterie du zeppelin, quoique fragmentée, devrait suffire à le charger. La partie qui est prête de l'épave fonctionne en permanence, mais les autres morceaux sont plus imprévisibles. Un casque corrodé. Ah, pas mal le casque. J'aime bien sa couleur. Elle va vachement bien avec notre transmon. D'accord. Bon, merci bien. Et donc, dans notre quête, sauver la cargaison. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ce zeppelin J'ai été foudroyé. D'accord. Ce zeppelin transportait du ravitaillement pour 6 mois vers Bourbabrak. Bien sûr, les habitants ont pu faire un peu de troc pour subvenir à leurs besoins. Mais ils ne tiendront pas éternellement. Ils m'ont envoyé ici pour récupérer ce qui peut être... ce qui peut l'être de la cargaison. Mais les débris sont éparpillés dans toute la zone marécageuse. Je crains qu'il ne reste pas grand chose après l'incident, mais vous pourriez m'aider à récupérer ce qu'il en reste. Mais bien sûr. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc on a notre fusil. Tentative pour zapper un. D'accord, il faut vraiment les dissoudre. C'est marrant, pourquoi pas. Je ne suis pas à portée. Mais il faut que... Comment ça se passe alors par contre? On est obligé de rester dans le... Dans la portée... portée effective de ce bordel? J'imagine. Ça va aussi loin que ça? Eh oui, je ne peux pas tant que je ne suis pas chargé. En fait, il faut choper ceux qui sont à proximité, et c'est ça le problème. C'est ça le souci.
C'est là où va reposer tout le bordel, le berdier. On a des cargaisons, on a vu la cargaison là. C'est marrant ce système. J'aime bien les gobelins, c'est pour ça que j'aime beaucoup les gobelins en fait. Leur technologie est assez marrante. Il y a tout qui part en sucette avec eux, ils sont là en mode ouais, ça a marché. Et là, bam, t'as tout qui t'explose à la gueule. Ah, effectivement, j'avais pas calculé tout ça, mais c'est pas grave, c'est qu'un détail, n'est-ce pas? Toi, t'es en mode ah oui, enfin, j'ai plus de bras, mais ouais. Puis voilà, ils aiment le pognon, donc c'est forcément des gens bien. C'est comme les nains, donc voilà, c'est comme les nains. Charge-moi s'il te plaît, merci. Bon, pour l'instant, c'est des petites quêtes secondaires, on peut dire ça comme ça. Pas de trucs très très intéressants. On aide quand même à récupérer, voilà, la cargaison de vivres d'un campement avancé donc de gobelins. Je le rappelle, hein, les gobelins sont encore neutres sur Warcraft Vanilla. Enfin, Vanilla, oui. Là, ils ne font pas partie de la Horde. Comme certains Worgen qu'on peut voir à certains endroits. Ils font toujours partie du côté neutre. Ils veulent détruire à ma place, c'est ça? Charge, merci. Désolé, ma petite troll, mais... Comment ça? On me dit pas que ça a chargé l'autre et pas moi. Ah si, tiens. Bon voilà, 10 sur 10, parfait. Donc tiens déjà. Êtes-vous parvenu à quelque chose contre ces démons? Oui, j'en ai éradiqué pas mal. Ma foi, ça m'a l'air un peu plus propre là dehors. Je pense qu'il est temps de récupérer ce qui peut l'être sur cette épave. Donc on choisit soit le casque, soit la sangle. Bon, on va pas se mentir, on va prendre le casque. Hein. Allô ? D'accord, j'ai eu le casque. Oui, j'ai eu le casque. C'est un peu bugué, hein. Bon, c'est pas très grave. Alors maintenant, donc, on va rechercher les caisses. Prenons les caisses de ravitaillement. Coffre de Zeppelin. C'est carrément bien craché. C'est quoi qui l'a fait tomber d'ailleurs? J'ai pas fait gaffe. Elle a pas dit non ce qui a fait que c'est écrasé dans cette région. Bon, juste un défaut technique. Enfin, juste là. En même temps, Goltor, tu poses la question alors que juste avant t'en as parlé. Oui, c'est vrai. Hein. Le problème, à mon avis, est sans doute dû au fait que ce soit de la technologie gobeline, hein, tout simplement. C'est des gobelins, donc à mon avis, c'est pour ça que c'est parti en sucette. Tout simplement. Pas besoin de chercher plus loin s'il y a un défaut de ci ou ça. C'est, à mon avis, le problème principal vient de là. Voilà. Putain, les textures... Regardez-moi ça, si c'est pas dégueulasse, les textures de cette herbe qui est ici. Quoi. C'est pour ça que je parle souvent du fait que, ouais, vous allez voir, ça va être trop bien quand on va avancer dans les extensions. Parce que le travail est tellement beau de décor et tout. Je sais que je vais vous refaire chier avec ça, mais Vashir, ça va être sublime comme endroit. Vous allez vraiment adorer. Après, quelqu'un m'avait dit quelque chose qui n'était pas forcément faux. Il m'avait dit en fait ce que les gens détestent dans Vashir, ce n'est pas forcément la zone, mais c'est le déplacement. Le déplacement, c'est vrai qu'il change un peu vu que tu es tout le temps dans la flotte. C'est vrai. Après, tu peux courir sur la terre en fait, enfin sur le fond marin quand tu es au fond, là sur le sol, tu peux courir. Mais j'avoue que les déplacements sont un peu différents. Mais à part ça, quand même, il faut avouer que. Bon, Moxie semble trembler d'inquiétude. Alors, la cargaison est encore intacte? Vous en avez retrouvé une partie? Oui. Dingue! Vous avez trouvé bien plus que je le pensais. Je ne sais pas exactement combien Drazit espérait que nous pourrions en récupérer par ici, mais il faudra se contenter de ça pour le moment. As-tu autre chose à me dire? Oui. Drazit s'attend à avoir des nouvelles bientôt. Mais je crois pas que la zone soit assez sûre pour que je puisse m'absenter. Si vous avez le temps, accepteriez-vous de lui apporter une partie de la cargaison à Bourbabrak? Si vous y êtes encore jamais allé, c'est un petit village au sud-ouest. Ah, si c'est au sud-ouest, je prends. De qui croise. Au-delà des ruines Cognepierre. Vous pouvez aussi emprunter la route qui part vers la ferme de Taveta. Quand vous arriverez à Bourbabrak, la personne à contacter est Drazit Suintevalve. Ça marche, ça marche, ça marche. Très bien, on va saluer. Et putain, mais les gens! Oh là là, fuck. Hey!
Ouais, tout le monde s'en bat les couilles, c'est bien ce qui me semblait. Donc on doit aller par là pour ramener donc tout ça au village Bourbabrac, mais ce qu'on va faire c'est aller vers les ruines, parce que c'est une zone qu'on n'a pas encore découverte, hein, tout simplement pour peut-être éventuellement avoir un haut fait d'exploration. Ça, par contre, j'avoue que le fait de saluer les gens, que les gens te saluent en retour et tout ça, te disent bonjour dans les donjons ou pas... Alors bon, il y en a plein qui diraient que c'est juste une forme de politesse de base. C'est oui, c'est le cas aussi. Mais bref, ça n'empêche pas, c'est pas trop méchant, hein, je veux dire. Si les gens ne pensent pas à ça et jouent en mode pépère, je comprends que les gens ne le fassent pas. Mais par contre, j'avoue que c'était beaucoup plus présent au tout début, quand le jeu était encore à ses débuts. Et peut-être que c'est quelque chose qui me plaira de revoir dans WoW classique, ça j'avoue. Mais après, les mentalités ont évolué, donc est-ce que les gens feront ça? Putain, mais c'est quoi tous ces chars là sur cette zone? Waouh! Et tous ces morts? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Une attaque d'ogre apparemment. La grande route de Terramort. Waouh! What the fuck? Regardez-moi ça! Oh oh oh! Putain, en plus c'est brillant. Eh ben. Oh oh oh! Putain, il a un triple! Ah non, c'est juste les munitions, j'étais en mode, il a un triple truc. Par contre, remettre ça devant ça, moyen. Hein. Mais bref. Oh la violence! C'est parce qu'on rentre dans des territoires ogres, j'imagine. No Man's Land. Les fameux panneaux justement des gobes. Ah, la horde est par là-bas. D'accord, un camp de la horde. Allons voir donc la personne qui se tient ici. Auberge du repos orangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Inspecteur. Salutations. Mais oui, qui voilà, inspecteur Gadget. Je suis content de voir que le capitaine Vimer a enfin décidé de nommer d'autres personnes sur cette enquête. J'ai découvert la zone d'une poudre réfléchissante, hein ? Ok. Qui révélera les traces et... Ah oui, il a recouvert, pas découvert. J'ai recouvert la zone d'une poudre réfléchissante qui relèvera les traces et objets louches, vous aidant à voir sur quoi concentrer vos efforts. Examinez tout ce qui est mis en valeur par la poudre. Allez dans l'honneur. Allez dans l'honneur. Alors nous avons quoi? Des lignes d'empreintes de sabots partent des ruines encore fumantes de l'auberge du repos ombragé. Il y a au moins quelques traces visibles avec d'autres empreintes peu marquées dans la boue du marais. D'accord. Un chariot. Qu'est-ce qu'on a ici? Un écusson. Un éclat de lumière attire votre attention dans les gravats. Écartant les débris et la poussière, vous trouvez un insigne émaillé représentant une ancienne... une encre, pardon, dorée sur fond blanc. Le symbole de Terramort. Sous l'encre est gravé « Lieutenant Paval Reed ». Ça, à mon avis, sera très important à savoir. Et enfin, un bouclier noir. Un bouclier en fer noirci par le feu qui a ravagé l'auberge est fixé à la cheminée branlante, une des rares structures encore debout dans ce qui fut autrefois l'auberge du repos ombragé. Le bouclier peut être détaché de la paroi de briques de la cheminée. Détachons-le, je ne sais pas si ça me donnera forcément des indices, mais il y a d'autres indices apparemment. Attends, il faut qu'on ramène tout ça là-bas? Mais t'es pas sérieux? Mais lui, il branle quoi, lui? Inspecteur, mon cul, oui! Putain, faut qu'on rapporte tout ça là-bas. Tout ça là-bas. Tout ça là-bas. On va inspecter ça, tant qu'on est dans la région. Oh, tiens, le palefroid céleste. Pas céleste. Spectral. Céleste est l'autre. Celui qui vole. On va aller voir là-bas. Ce qui s'y passe un peu. Bon, normalement, c'est territoire de l'Horde. On a quoi, là? C'est du troll, ça? Ou de l'orque? Ou je sais pas ce que c'est. Un truc de sauvage, sûrement la Horde. Je casse les couilles à tout le monde. Je m'en lasserai jamais, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis de suite, je m'en lasserai jamais. Jamais, jamais, jamais. Non, c'est un campement de la Horde. Non, c'est un campement neutre. Il y a un ogre, donc, ici. Très bien. C'est Shrek qui a l'air de défendre son bourbier. Euh...
Pas grand chose, hein. Putain, le manque de musique dans le jeu est quand même des fois un petit peu awkward. On a découvert le mur de fougère. J'imagine que par là. C'est la horde, c'est ça? Oui, c'est la horde. On va pas s'en approcher, hein. Ok, c'est le campement de la horde ici. Ça roule. Ça roule, ça roule. Donc il nous restera à explorer en bas, ça là-bas en bas pour faire le petit au fait de découverte. Donc retournons donc à Terra Mort pour emmener les indices qu'on a vus. Même si, bon, j'ai envie de dire, un bouclier, un écusson et des traces de roues de chariot, je sais pas si ça va faire grand-chose. Hein. Donc on arrêtera l'épisode sur ça. Et on prendra le prochain épisode donc en allant vers Bourbebrac pour se renseigner un petit peu. Sur ce petit village donc, et ramener surtout la cargaison, en fait, tout ce qu'il y a à récupérer, enfin surtout leur dire que c'est bon, Moxie est en sécurité maintenant, sa cargaison a été récupérée, donc ils peuvent aller prendre ce qu'ils veulent. Qu'ils n'attendent pas tout ça pour rien. Ah oui, ça c'est le poste des autres. On fera ça. Bon, beaucoup de voyages hein, quand même. Beaucoup de voyages. Putain d'ailleurs, vous savez, parce que bon, pour ceux qui connaissent pas, la chanson Voyage Voyage là. Voyage Voyage, plus loin que la nuit et le jour. C'est une musique qui date un petit peu. Désirless, hein, qui l'a chanté. Si vous regardez sur YouTube, elle est à 89 millions de vues. J'étais sur le cul. J'étais en mode What? What? Fucking what? Une chanson si vieille. 89 millions de vues. J'étais en mode Ah ouais! Ah ouais, je m'y attendais pas du tout. Et c'est Banzai, hein, pour ceux qui connaissent un peu, qui avait tweeté ça. Il était en mode, au fait, Desireless, vous savez quoi, 89 millions de vues. J'étais en mode, non mais c'est pas vrai quoi. J'ai checké sur le net, et oui. Et putain de oui, voilà. Zidomi, gardien du temps. Vous avez besoin de quelque chose. Qu'est-ce que... On peut lui vendre des choses, mais elle nous vend rien. Attendez. Attendez, c'est bizarre ça. Bon. Quel est donc ce PNJ? Ah. Je ne sais pas qui c'est du tout ce PNJ. Je ne sais pas, tiens. C'est étonnant ça. C'est la première fois que je fais gaffe à ça. Bref. Bon, je m'égare un petit peu. Attends, on n'a plus les bulles d'infos. J'ai plus les bulles d'infos sur les... T'es sérieux? Ah oui, j'ai plus les bulles d'infos. Putain, les add-ons qui partent en couille. Bon, c'est pas très grave. Enfin, ça fait un peu chier, mais c'est pas très grave. Non, ça fait même carrément chier, parce qu'on peut pas savoir si c'est bien ou pas, en fait. Bon, tant pis. Je réglerai ça pour le prochain épisode. Donc, allons emmener toutes ces preuves. Enfin, ces preuves. Ces indices. Enfin, je sais pas trop ce que c'est en fait. Hein. J'ai un peu du mal à déterminer ce que ça va pouvoir nous donner comme information. Mais pourquoi pas. Un collègue nain. Salutations. Il descend à la cave. Il va boire un coup. Premier truc que font tous les nains, tu sais. Alors ces châteaux, c'est toujours la même configuration, hein. Mais moi je me pomme toujours comme un connard. Alors capitaine, capitaine, donc des empreintes de sabots suspectes, pourquoi pas. Des empreintes de sabots, hein. Ce qui est sûr, c'est que les centaures sont très actifs près du marécage d'Apophange. Alors qu'une d'une brève incursion dans les Tarides, nous avons trouvé leur camp et leur ferme. Je vais envoyer Falgan Astil, un de nos meilleurs pisteurs, pour voir où mènent ces traces. D'accord, donc des centaures fous, apparemment, ouais. Le lieutenant, avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant à l'auberge du repos? Oui, un écusson. Cela n'est jamais bon lorsqu'un badge d'un garde m'est rapporté. Oui. Parfois, c'est un homme ou une femme tombé au combat et il ne me reste plus qu'à annoncer la nouvelle à une famille éplorée. Il y a aussi le cas où nous ne savons pas ce qui est arrivé, mais il arrive que cela soit encore pire. Et oui, un traître! Éventuellement. Allô? Qu'est-ce qui se passe avec le jeu?
Le nom du lieutenant Pavalris ne me dit rien. Votre meilleure chance est de vérifier auprès de l'adjudant, Tessoran. Il conserve tous les dossiers de la garde Terra-Mort, du personnel jusqu'à l'équipement. Il devrait être capable de vous dire qui est ce Rhys, et après un rapide coup d'œil dans ses registres. Que la lumière vous bénisse. Tiens, le bouclier noir. Avez-vous trouvé des indices? Donc voilà, un bouclier noir. Je ne suis pas un expert en fabrication d'armes et d'armures, je ne maîtrise que leurs utilisations. Le bouclier semble ordinaire, à l'exception des dégâts qu'il a subis lors de l'incendie qui a ravagé l'auberge. Donc, rien d'intéressant. Ah, il va peut-être... Ok. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus, Goltor, mais je sais qui peut vous aider. Kaz Di Douille, un de nos meilleurs forgerons. Portez-lui ce bouclier et voyez ce qu'il peut vous dire. Un forgeron, tiens, la classe. Ah ben, l'adjudant, pardon. Monsieur l'adjudant. Je peux vous aider. Oui, tu peux m'aider. Bonjour, Goltor. Avez-vous besoin de renseignements sur un membre de la garde Terra-Mort? Rhys, n'est-ce pas? Accordez-moi un moment que je trouve les bonnes archives. Raidon, Sandforge... Non, je suis allé trop loin. Ah! Le voilà! Lieutenant Pavalrit a rejoint la garde Terra-Mort en même temps que la plupart des recrues, ayant fait la traversée avec Dame Port-Vaillant, engagée dans les soldats de marine de Kul'Tiras à 16 ans. État de service brillant, promu, porté disparu. Ah ah! Porté disparu. Que fais-tu sur la table, Golgin? Un plaisir de vous rencontrer. Porté disparu! C'est sûrement une manière détournée pour Tessoran de dire traître. Probablement un de ces idiots si aveuglément loyaux à l'amiral Daylin qu'il a trahi son camp. N'est-ce pas délicieusement ironique? Les déserteurs nous accusent de trahir l'Alliance. D'accord, je sais où ils sont. Je les ai vus, ces petits cons. Nous avons lutté pour maintenir notre présence dans les marais, et grâce à notre détermination, nous avons pu conserver plusieurs tours de garde défensive dans le secteur. Les dernières informations et rapports d'éclaireurs que j'ai reçus indiquent qu'un groupe de déserteurs a eu domicile dans la tour que nous avons abandonnée à Ala Halte, perdue au sud-est de l'auberge. Oui, je sais où elle est, t'inquiète pas. Le lieutenant local est apparemment Balos Jacken. Voyez si vous pouvez lui soutirer des informations. Soyez sur vos gardes, Goltor, il risque d'être réticent à collaborer. Je lui mets des paf dans sa gueule, tu vas voir s'il n'a pas collaboré. Question de survie de l'Alliance. Tu vas pas me faire chier, c'est moi qui te le dis. Allez, donc on a dit qu'on arrêtait là sur cet épisode. On va juste sortir d'ici. Et donc, on se retrouvera pour le prochain épisode. On a pas mal de choses à faire, on a encore des forgerons à aller voir. On a encore quelques trucs à faire dans cette ville. Et bien voilà, sur ce les amigos, je vous dis à plus, portez-vous bien. Rendez-vous donc oui dans le prochain épisode où on ira terminer un petit peu ces quêtes à droite, à gauche. On a surtout voilà des déserteurs à défoncer. On doit récupérer un petit peu, voir ce qui se passe avec ce bouclier noir, visiter la bombe à braque. Et je pense qu'on aura terminé le marécage d'Aprefange. Et on pourra donc ensuite aller vers d'autres zones. Comme peut-être, voilà, Goro, le truc. Je verrai en fonction, j'essaierai de voir la zone la plus bas level qu'on n'ait pas fait encore. Pour terminer les quêtes de la région. Évidemment, ce qu'on vise, c'est le maître des traditions. En plus de, voilà, de profiter de tout le lore, même si des fois, j'avoue, c'est pas top. Hein, on se fait un petit peu chier. A plus et puis voilà. Puis ciao. Salutations.